Voilà. Suite du parcours, objet de non fait, comme ouragan et comme Jessica. Là, il y a des chiens derrière le portail. Faut que je conduise court parce qu'il y a quand même de la voiture. Jessica a eu le même comportement à cet endroit-là. Même endroit. Toute une bestiole. Comme s'il cherchait un objet que j'avais perdu. Le grand a fait pareil. Cette rue, les chiens, les trois chiens ont vraiment fait la même chose. Pile poil. Stop! Pas bouger. Pas bouger. Voiture. Bon, évidemment, t'es mal positionné au moment de repartir. Elle devrait se relever. C'était un bon exercice. Très bien.
Là, c'est relève. L'aile relève. Je la laisse partir devant. Je ne suis pas trop prête pour ne pas la pousser. Car elle n'est pas en difficulté. Voilà, ça c'était sûr, le coup du poteau. Donc là, le parcours part sur une ruelle à droite, qui est évidemment quasi impossible à prendre au premier coup. Les chiens y vont, reviennent. Distraction. Voilà, à tous les coups, elle va revenir. Elle me fait mentir aujourd'hui. Alors là, libre. L'expérience par rapport à l'ouragan Jaska. Ça part à gauche là-bas. L'ouragan avait été tout droit. Alors là, il faut savoir que j'avais posé un objet d'arrivée il y a 15 jours, exactement là où elle est. Pour un parcours qui n'était pas pour elle. Alors, le parcours par là-bas. L'ouragan a été tout droit sur 20 mètres. On voit déjà que l'allure n'est pas la même. Elle recherche. Très bien. Allez. Très bien. Là, elle se retrouve en face, donc c'est beaucoup plus facile à prendre. Il va y avoir un objet et un chien qui gueule à côté. On le voit là, on ne voit rien. On l'a détecté. Putain, qu'il me regarde. Ah, est-ce qu'il reste de pâté? Ah, quand même! C'est bien mon piou! C'est très très bien ça! C'est un super piou!